Salut à tous, c'est Pêcheur de Trésor. Aujourd'hui, dernière étape du road trip. Donc voilà, on est de retour en France. Ouais. On est dans un coin où on a rencontré un abonné. Voilà. Ouais, par hasard en plus. Ouais, hein. Par hasard sur le carrefour, on allait acheter à manger. Et écoutez, bah, il se trouve que c'est aussi un pêcheur allemand et donc il nous a conduit sur des spots qu'il connaissait bien. Ouais. Il nous a dit qu'il y avait des super spots dans sa ville, donc on va voir ça. Yes, on commence par un pot ici et ensuite on en fera un deuxième un peu plus loin là-bas. Et peut-être trois si on est en forme. Bon, ce gros boîtier avec des piles. Ouais, belle dépollution. Ça, ouais, la dépollution, les piles, c'est le pire. Hein. Tac. Ah. Et ce super couteau. Ah oui. Et franchement, il a l'air ouf. Joli. J'essaye de le déplier. Ouais, ou... ouais, tu peux, je pense. Oh. Allez, bien conservé. Allez, nickel. Parfait. Beau couteau. Bien joué. Il s'agit d'un couteau pakistanais qui fonctionne encore très bien. Sa sécurité est aussi fonctionnelle. Reste à faire un petit travail sur le bois et sur le laiton et il sera comme neuf. On saute bas. Je vais essayer de le rechauffer. Oh, couteau papillon. Bravo. Ouais. Oh, mais deux couteaux. Oh, ouais. Regarde. Ah, celui-là est magnifique, ouais. Oh bien. Qu'est-ce que quelqu'un sait faire le geste? Tu sais le faire? Ouais. Attends, fais gaffe qu'il soit pas trop grippé. Allez, démonstration. Oh, tu prends ça. Eh oui. Beau, bien hein, les gars. Ouais. Ah ben, journée couteau aujourd'hui. Hein. Ouais, clairement. Et oui, après tu le bloques avec ça là. Ouais. C'est ça. Tac. Super. Ah, il marche. Oh, je l'ai. Ah. Juste un poteau. Putain, merde. Il vient de loin lui. Ah oh, non, le sac. J'avais pas prévu ça. Ah, il y a un oui, bidon. Ouais, une 9 mm. Aimantées, elles sont plutôt rares. Belle trouvaille. C'est la tête qui est aimantée. Ouais. Ah d'habitude c'est en plomb. Voilà les gars, regardez. Premier iPhone. Enfin. Il est pas vieux. Alors est-ce qu'il y a de la monnaie derrière? Oui. Non, il n'y en a pas, mais bon. Ah c'est un récent je pense hein. C'est un 8. Ah si, il est gros, ah, l'appareil photo il a pris cher. Ouais c'est un 8. C'est un 8 ouais. Bon. Ah c'est bon ça. Parfait. Ah je voulais l'iPhone. Il est large hein. Ah yes. C'est bon ça. Ouais tu vois, il y a bien un endroit où je m'imaginais pas faire un iPhone. Il y en a au fond hein. Ouais mais je m'imaginais pas un endroit comme ça tu vois. Le nombre d'endroits où on est allé exprès où les gens se baignent, vont en kayak et tout pour le faire tomber tu vois. Et ben là non. Ouais après il est mort, là c'est sûr il est mort. Hein. Là il est mort. Ouais. Ah, quand même. Ouais. Pour me protéger. Ça m'a fait penser à sortir mon téléphone de ma poche. Ah, encore deux pièces. Oh. Et la preuve que celui Kim Kardashian, on aurait pu. Ouais. On aurait pu, mais bon. Ouais, mais bon, c'est pareil, je pense. Hein. C'est une photo à 1 million d'euros. Hein. Allez, des ciseaux. Une pièce encore. Oh, pareil, 9 mm. Sûrement même 9 mm 40 DI 43 il y a marqué année ou peut-être année 43 peut-être hein. Mmh. Bah avant les années ouais c'est possible ouais encore une deuxième donc là trouvaille en plein milieu quelque chose d'assez gros c'était bien dans la vase pour oh. D'accord. Ok. Ça va faire du bruit. Ça ramène un souvenir là. Ouais. Ah, il y a un gros lot de pêche. Et voilà. Alors là, j'ai autre chose. C'est un peu moins lourd que le plot. Ah, bah c'est quoi ça? Ah, bah non, c'est le même. Ah. Le petit frère. Il y a des jeunes qui se sont amusés. Ouais. Et voilà. Et là, petite clé USB. Intéressant. Alors, est-ce que c'est récupérable ce qu'il y a dessus? Je sais pas. Mais elle a pris cher quand même. Oui, c'est encore la sextape de Valbuena, c'est certain. Eh oui. C'est certain. Là, il y a écrit derrière. Propriété de Karim Benzema. Voilà. Ouais. Bon, on lui rend ou on regarde ce qu'il y a dessus? On regarde ce qu'il y a dessus. Ah, une pièce. 5 centimes. Bon bah du coup changement de spot, ici c'est fini.
Ouais, c'était propre hein, de base. Ouais, c'était propre, mais quand même deux jolis couteaux, un iPhone. C'est pas dégueu. 50 centimes. Allez, go, poursuivant. Petit couteau papillon. Bon, celui-là, c'est pas... Ah, il est tout petit. Ouais, il est tout petit, ouais. Et doucement, ça se restaure peut-être, on ne force pas. Ouais. Ah, mais il est pas. Il est collé, là. Voilà, il est collé, ouais. Mais ouais, il a l'air restaurable. Il est vraiment petit, ouais. Sympa, hein. Ouais, moi, je viens de faire une pile. Ah ouais, bonne dépollution. C'était une superbe pièce de 20 centimes de francs de 1963. Très sympa. Et un maître Stanley. C'est de la bonne qualité normalement, mais bon, il a vraiment pris cher là. Wow! C'est quoi ça? C'est un transfo? Original. Wow! Oh, un rouleau de peinture! Ah ouais, ça c'est un morceau de voiture. Oh! Qu'est-ce que c'est ça? Philips? Original. J'ai la pile qui va avec. Regardez, un filtre. Ça c'est de la pollution. Ouais, et il est neuf. Ah, des clés encore. Bien joué. Nice. Et une pièce, non? Ah non. C'est quoi, le Clio? Ouais, je pense. Ah. Oh là, oh là. On va t'aider. Il y a un sac accroché. Attends. On vérifiera quand même. Ouais. Tac. Et il y a l'heure de pêche. Ouais. Voilà. Il est neuf hein, le leurre. Ouais. Joli. Avec une cuillerie. Bien joué. Ouais, ça doit être plein de morceaux comme ça. Ouais. Gros trafic de voitures. Et dans ce sac, il y a quoi alors? Il y a un sac quand même, mais je pense qu'il est vide. Ouais, il est déjà ouvert. Ça, ça doit être encore un truc pour les pièces de voiture ou quoi. Ah, il n'y a rien. La découverte de Vincent en direct. Et le pied de biche. Qui n'est sûrement... Ouais, ouais. Ouais, il est pas là pour rien. Ouais, faut trouver le coffre alors. Et moi je viens de faire une caisse de magasin qui a été littéralement éclatée. Asta, viens là. Si tu veux pas être aplati par un SUV. Allez. La corde c'est pas bien grave. Ouais. Ouais, ça vient, il y a un truc qui vient. Oh. Moi j'ai fait... Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ouais. Un moteur de mobilette. Ah, celui-là il était sous les couches. Oui, il était pas jeune. Hein. Découverte en direct de Vincent encore une fois. Ouais, ça bulle bien. Hein. J'ai un pieu. J'ai un pieu et il y avait certaines. Oh, avec les autres. Téléphone, non? Ah, tu vois encore. Là, c'est au moins la quatrième. Hein. Mercedes. Oh. Et ça, ça me dit quelque chose, ça. Ah, la forme, elle est spéciale. C'est pas juste pour les péniches avec cette forme. Je sais pas. Ça, c'est pour les vampires, cela. Ah, il y a une chaîne. Ah oui. Peut-être une gourmette. Est-ce que t'as la gourmette qui va? Ah non. Bon, en tout cas, c'est du full métal. Voilà. Et y a pas de doute là. Voilà un mécanisme de montre. Alors après le modèle, je sais pas si c'est écrit, mais c'est sympa. Ah, ça c'est une poignée de moto. Wow, sympa. Une boîte avec une tête de mort. Mais vide, ah, c'est une boîte à cigarettes. Mais elle est belle, hein, elle est en bon état. Oh non, j'ai pas vu, j'ai mis les mains au pire endroit imaginable. Ah ah. On dirait Colt 19. Ah non, quoique. Non, c'est du 9 mm. Ouais, et il est plein. Hein. Non. Il est plein. Chargeur d'armes rempli. C'est bon signe, ça. Nickel, parfait. Allez, plus qu'à trouver. Belle trouvaille, hein. Ouais. Ça fait plaisir.
Ah oh, purée. Presque. Ah oh, j'ai failli me faire écraser les couilles. Regarde. Briquet. Tiens, cadeau. Allez, encore un bout. Belle antivol. Eh là, tu vas bien l'attraper, là t'allais pas le perdre. Là, c'est clair. Ciseaux. Sympa. Pour les ongles de Quentin, ça. Presque. C'est bon, tu pourras te couper les ongles. Ciseaux. Non, ciseaux. Regardez tout ce qu'il a fait déjà, Vincent, de ce côté du pont. En quoi? En 10 minutes? Ouais. Alors ça, c'est pas trop aimanté. On va le draper. Qu'est-ce que c'est ça? Il est long, hein. Oh, il y avait pas un sac au bout, là? Un sac au fond? Ouais. Ah, loupé. Alors, ouais, ah, c'est ça, ça, ouais, c'est celui-là. Ah, un bout de voiture. Non. Ah, il est retourné dans la nature. Et une pile. Qu'est-ce que c'est? Un beeper? C'est un truc pour les vélos, ça, pour les. Pour les vélos? Ouais, je pense, hein. Ouais, sûrement. Ah non! Wow! Ah, c'est un feu! Feu de voiture! Non, non, non! Non! Il flotte à peine! Quoi? Je suis en train de le perdre! Ah! Sauvetage réussi! Tiens, Rasta, un nouveau chapeau! Juste là. Et il monte. Tu me dis quand tu te soulèves un peu, j'en veux derrière. Putain, et ça vient, ça vient. Peugeot. Aïe. Ça c'est Peugeot 103. Exact. Hey, regarde, t'as encore le. Ah, il est beau, hein. Il est vraiment beau. Ouais. Avec ça qui est aussi intéressant. Avant de trouver le cadre de Booster Spirit, en fait, on trouvait les Peugeot 103. Ouais. Encore une. Nickel. Sympa. J'ai failli faire un petit plongeon dans l'eau là. Ah bon? Bêtisier? J'étais à deux doigts. Bêtisier ça? J'avais lu le témoignage d'un mec qui bosse dans les canaux à Bruxelles. Ouais. Et il disait que des fois ça arrivait, les mecs ils voulaient jeter des armes et ces abrutis les mettaient dans des sachets plastiques. Et du coup ça faisait une bulle d'air et ouais, ça flottait. Pardon, ouais. Et il a dit le mec que ça lui arrivait plusieurs fois, genre de repêcher des sacs avec des armes à la surface. Ce couteau il inspire pas confiance en plus, regardez. Il y a un F dans la rouille là. C'est assez étrange. Bizarre, bizarre. T'as retrouvé tous les époques de voiture ici, je te jure. C'est une vitre arrière ou un truc comme ça? Ça c'est un pavillon arrière, ouais. Ouais. Ça c'est la moitié du toit et ouais, là c'est la vitre arrière. Ouais. Attention, ouais. Le bout de verre. Ah, c'est dangereux ça. Compliqué. C'est le verre qui est devenu comme ça? Non, non, en fait, non, ça c'est le. Tu sais, c'est le film qui a entre le verre. Ouais, ok, ouais. Il est devenu blanc. Ah, il a blanchi. Ah, il a blanchi. Ouais. Attention. Ramasse les bouts de verre pour le chien. Check. Sachet alors? Ouais, le petit sachet, tu vois là-bas? Les petits sachets comme ça? Ah ouais. Petit pochon? Ouais. Ça nous est déjà arrivé, lampe. La lampe pour faire pousser, la petite ballast. Ah, vous avez jamais trouvé un sac complet, genre? Non, non. On était avec bah, les mecs en Belgique, ils ont déjà fait de la cocaïne. Ah bah oui, y'a moyen. Ah bah y'a moyen. Pas sûr, c'est un autoradio ça. C'est tellement gros. Ah oui, c'est gros. C'est pas une caisse en vrai? Non. Si, ça fait autoradio quand même. Tu vois, mais il est de quelle année celui-là? Autoradio des années 60, non? Ça, c'est le plus vieil autoradio que j'ai vu. Hein. Alors celui-là. Putain. La taille. Ouais, c'est un autoradio, je pense.
Oh. Ouais. Moteur de mob. Attaché dans une sangle. Hop. Hop. Ah oui, j'avais fait ça, c'est un engin de chantier pour les enfants. Arrête de jouer avec les écrevisses, Baptiste. Ouais, porte de coffre-fort, donc on va quand même insister un peu sous ce gros pont là. Il peut y avoir un coffre en dessous. On va essayer de viser bien la partie directe en dessous. C'était juste là, là. Ouais, ouais, bah ouais, dessous. Ouais. Millimètre à blanc, très bon état. Donc c'est bon signe. Hein. Et je sais d'où ça venait, ouais. Ça venait vraiment de devant là. Je le travaille un peu pour le sortir de la vase. Ah ah, je l'ai. J'ai un bout. On espère que vous avez apprécié cette jolie pêche à Chalon-sur-Saône et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle pêche à Chalon-sur-Saône.